Salut les amis, bon, bienvenue sur ma chaîne Carte Passion de Vue Tranquillou. Donc aujourd'hui, petite vidéo pêche rapide. Bon, je reprécise, maintenant les vidéos ne seront pas à suivre. Je vais essayer d'en mettre que deux par semaine. Et voilà, pour avoir un contenu régulier et pour avoir des vidéos d'avance pour cet hiver au cas où il m'arriverait une connerie ou que je sois bloqué du dos puis pendant une semaine ou deux ou alors autre chose. Ou tout simplement que je peux pas aller à la pêche parce qu'il fait trop froid et comme vous savez j'ai un problème au dos. C'est pour ça que je choisis des postes qui sont pas loin de la voiture comme vous voyez derrière. Donc voilà. Donc voilà, les vidéos seront. Ça sera toujours les vidéos en continu seront à la suite, mais un peu plus espacées pour avoir des vidéos d'avance. Bon, j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. Moi, je me suis compris. Donc voilà. Donc là, cette vidéo, on est en pêche rapide sur le même poste que la vidéo d'avant. Donc voilà, les vidéos seront toujours à la suite. Voilà. Donc là, on est le lendemain matin de la vidéo précédente. J'avais amorcé avant de partir à midi. Et j'avais fait une pêche du matin. Et pour ceux qui me suivent, ils ont dû voir la vidéo. Pour ceux qui ne me suivent pas, c'est la première fois qu'ils me voient. Donc allez voir la vidéo d'avant si vous voulez comprendre. Donc voilà, je suis le lendemain, pêche rapide sur le matin aussi, pareil. Et la vidéo qui suivra celle-ci sera sûrement une pêche du matin et d'après-midi. Sur le même poste pour finir les bouillettes RG. Donc voilà. Donc, sur la vidéo précédente, j'avais fait deux départs. Les billets RG abricot. Donc encore merci Geoffrey. Et voilà. Donc là, j'ai amorcé avec la même bouillette, je pêche avec la même bouillette. J'ai toujours deux cannes tendues devant sur un passage et une canne à droite niveau réservé. Bon, il y en a qui ont reconnu le poste. Hein. Il n'est pas dur à reconnaître. Donc voilà. Oui, j'ai vu un tuto aussi, j'ai vu un montage, j'ai dit tiens, faut que j'essaye ça. Donc j'ai une canne, la canne que je me suis fait casser sur la vidéo d'avant. J'ai mis justement ce montage. Donc, je suis en train de tester. Je vous ferai voir plus tard dans la vidéo qu'est-ce que c'est comme montage. J'ai trouvé ça sympa, j'ai dit tiens, pourquoi je testerais pas ce montage. Donc j'en avais préparé plusieurs et j'en ai monté un sur une canne. Que je vous ferai voir plus tard. Donc voilà. Plus rien d'autre à dire. À part que je vais essayer de filmer un départ en direct. Chose que j'ai pas réussi à faire dans la vidéo précédente. Le départ où j'ai pris la coco, je venais juste d'éteindre le caméscope puis j'étais en live. C'est quand même pas de bol. Donc j'étais en train de d'effacer la vidéo parce que comme vous savez je fais que des petites parties de départ en direct, donc quand il n'y a pas de départ tous les quarts d'heure je clique, je supprime la vidéo puis je relance une autre et là j'étais en train de supprimer la vidéo pendant mon live et elle est partie. Donc j'ai pas le départ en direct, c'est pas grave, on voit quand même le poisson, c'est le principal. Bon, je vous embête pas plus longtemps, je vous reprends tout à l'heure pour le montage ou avec un poisson. On ne sait pas ce qui va se passer. Voilà, voilà. Allez, à tal. Bon les amis, vu que ça mord pas, puis à mon avis ça mordra pas, parce que
trois jeunes carpistes qui se sont foutus en face là. Alors je ne supporte pas ce comportement de pêcheur. Les mecs ils s'installent en face, ils voient que t'es là, ils fouettent comme des malades pour essayer de pêcher de mon côté. Sans rien demander, je ne supporte pas ça. Les mecs, ils prennent pas 5 minutes pour demander où est-ce que tu pêches. Non, ça fouette. Aucun respect des autres. Genre de personne qui laisse des saletés, comme je disais dans la vidéo précédente, là, que le paysan, les mecs avaient reculé dans le champ là où je suis. Là. Voilà, le même genre de personne. Aucun respect des autres pêcheurs, aucun respect de la nature. Il me semble que c'est eux en plus. Donc voilà, ils s'amusent à fouetter leur canne ici. Bon, certes, ils sont tendus pas loin de moi, mais quand même. Mais le problème, c'est quand ils amorcent au cobra, ils en mettent un peu partout. Donc, il y a quelques bouillettes qui atterrissent pas loin de mes cannes, voire dessus. À la limite que j'en prenne une sur la tête. Donc vous comprenez bien que la prochaine vidéo je la ferai pas ici. Il y a eu un mélange de bouillettes là, à mon avis j'aurai pas de touche. Je comprends pas les pêcheurs comme ça. Pour moi c'est pas des pêcheurs. Ça se dit carpiste, mais pour moi c'est les gens qui respectent pas les autres pêcheurs. Alors ça c'est la mentalité des carpistes d'aujourd'hui. Bon, je parle de certains, pas de tous. Mais ça c'est la mentalité des carpistes. Si les mecs encore ils avaient amorcé là, qui me le disent. Bon, moi aussi j'amorce ici. Donc je leur laisse une place et puis eux ils pêchent sur une autre. Voilà, on s'arrange, il y a toujours moyen de discuter de toute façon. Mais avoir ce comportement là, moi ça me dépasse. C'est la génération jeune des carpistes d'aujourd'hui. Je parle pas pour tout le monde, forcément, parce qu'il y en a des super que je connais. Mais alors ceux-là, les comportements comme ça. Donc j'espère quand même avoir une touche. Ça, c'est pas évident. Donc en attendant. Eh ben, je suis peut-être énervé, mais c'est pas grave, j'en ai rien à foutre, je garde le sourire. Je vais vous parler de ce fameux montage que j'ai vu sur un tuto, qui me plaisait bien, donc... alors voilà, c'est ce montage-là, là. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Ça ressemble un peu au D-ring. Bon, sauf qu'on voit, on voit pas bien là. On voit pas bien parce que... En fait, c'est une boucle. Et l'anneau ou les mérillons coulissent là-dedans là. Moi j'ai mis un petit anneau, que je ne sais pas si vous allez voir. Je vais monter une bouillette dessus et je vous reprends après, pour mieux vous faire voir. Alors voilà, ça ressemble à ça quand c'est monté, vous voyez, sauf que... Vous voyez le système? Donc, vous voyez, c'est juste une boucle et l'anneau se promène dedans. Et j'ai trouvé ce montage assez sympa. Donc j'en ai mis un en test sur une canne. Bon, je pourrais pas vous dire
si ça fonctionne ou pas. Pour l'instant, j'ai pas eu de touche dessus. Et puis, si j'ai une touche aujourd'hui, ce sera vraiment un miracle. Mais bon, je suis au bord de l'eau, j'en ai rien à foutre. Ça détend déjà, c'est le principal. Et avoir des loustiques comme ça, en face, qui font n'importe quoi, surtout que la Sèvre est grande. Et en plus de ça, je crois qu'ils sont passés hier, ils ont bien vu que je pêchais là. Il me semble que c'est eux qui sont passés derrière moi. Ah bon. Je vais pas m'avancer, je suis pas certain. Voilà. Donc, si un jour ça mord sur un montage comme ça, ben je vous le dirai. Bon voilà, c'est trop mort, c'est toujours le combiné. Là, j'ai rajouté une petite chevrotine. Parce que ça sert à rien d'acheter des plombs exprès. Voilà, vous prenez un plomb à pince, ça fait exactement pareil. Et il pourra pas avancer parce qu'il est bloqué par le nœud là. Voilà, pour l'autoferrage apparemment. Je vais essayer, hein, parce que je connais des choses, mais voilà, quoi, s'il y a des nouveaux trucs qui marchent mieux, pourquoi pas les essayer. Donc, apparemment, ça aiderait mieux à piquer, et cette petite chevrotine, là, le petit poids ici, et plus souvent l'hameçon sur la lèvre du bas, plus que sur les côtés ou sur la lèvre du haut. Donc, si ça peut améliorer la piqûre, pourquoi pas. Hier, enfin sur la vidéo précédente, la carpe que j'ai prise, il y avait une petite chevrotine. Et c'est vrai qu'elle était bien prise sur la lèvre du bas. Donc, peut-être une solution à garder. Parce que je veux bien... C'est pas parce que ça fait 40 ans que je pêche que je connais tout. On en apprend. Voilà. Moi, si c'est pour faire du bien aux poissons, pourquoi pas. Voilà. Donc voilà ce petit montage. Donc je pense que je ferai une vidéo tuto pour faire voir comment je les réalise, parce que là, plein air, c'est pas évident. Je ferai ça sur une table en gros plan, comme d'habitude, pour que tout le monde essaye de voir au mieux. C'est quand même plus, c'est quand même bien mieux, hein les amis. Voilà. Donc je sais pas si vous avez exactement compris le système. S'il y en a qui connaissent le nom de ce montage, qui me disent, parce que j'ai pas trouvé le nom. Alors, normalement, c'est pas un anneau qu'on met là, c'est un émerillon. Je vais vous expliquer pourquoi je mets pas d'émerillon. Parce que j'ai remarqué que l'émerillon, il avait tendance à... Quand il rentre à forcer dans la bouillette, il avait tendance à la fendre. Et ça va quand vous pêchez avec des grosses bouillettes. Mais quand vous pêchez avec de la bouillette de 16 ou 18, elle a tendance à fendre. Et je ne sais pas si vous savez, quand la bouillette est dans l'eau, elle a tendance à gonfler. Donc, qui dit gonfler, au niveau de l'émerillon, ça écarte encore plus la bouillette et ça finit de la fendre. Donc le premier poisson qui tape dedans, elle se casse en deux, elle tombe et votre ligne n'est plus pêchante, comme moi hier. Parce que c'était monté sur... celle que je m'étais fait casser, j'avais monté un montage comme ça, avec un émerillon. Et quand j'ai remonté, il n'y avait plus de bouillette. Donc, et j'ai pas eu de touche. Donc la bouillette s'est bien fendue en deux et elle s'est barrée. Donc il faut vraiment des micro ardillons, le plus fin possible. Ou alors mettre carrément un anneau, l'émerillon à l'intérieur, il sert à rien. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Allez, je vous reprends à la fin de la vidéo ou avec un poisson. On ne sait pas. J'ai des doutes pour le poisson, mais je vais essayer quand même. Allez, à tout à l'heure. Thank you.
Bon les amis, bah justement, départ sur la canne où il y avait le montage que je parlais. Bon, c'est pas un gros poisson, ça me sauve le capot. Petite coco, toute mignonne, qui ne manque qu'à grossir. Voilà. Bon, quand même réussi à faire une touche. C'est déjà bien. Voilà, voilà les amis. Allez, je la relâche. Je retends la canne. Attal. Terminé là. Bon, ben, je vais pas amorcer ici, comme vous avez vu, comme vous avez entendu la vidéo, il y a des personnes qui s'installent en face qui respectent pas, donc je vais pas ramorcer ici. Et je vais aller amorcer ailleurs pour demain matin, un peu plus près de chez moi. C'est dommage parce que là, ça commence à fouiller. Ça fouille en plein là où j'avais mis mes cannes. Bon, j'hésite à ramorcer ici maintenant, ce soir. Mais bon, les mecs, ils me voyaient en face, alors. Donc, puis je sais pas ce qu'ils vont faire pendant que je suis parti. Donc, je vais aller amorcer ailleurs, bien amorcer ailleurs, sur un poste que je connais bien. Comme ça, pour finir les bouillettes hergées en beauté, ou pas, il n'y aura peut-être pas de touche, on verra bien. Je vais l'amorcer en Sèvres un peu plus loin, et pour la prochaine vidéo. Donc,
Voilà, résultat de bouillie tergée, encore une touche, un poisson. Bon, c'est certainement, c'est pas un gros poisson, mais bon, ça fait toujours plaisir. Surtout quand on est un petit peu emmerdé à la pêche. Donc voilà. Sur ça, je vous dis ciao, bye bye. Je vous dis portez-vous bien, allez à la pêche et à bientôt pour de nouvelles aventures, les amis. Allez.